Retenez bien ce titre, 1917. Alors voilà, moi j'aime bien donner les avant-premières un peu ici, pour ce site du Point que j'adore animer. 1917 est un film de Sam Mendes qui va sortir à Paris le 15 janvier. Donc c'est pas tout de suite, sauf que je l'ai vu cet après-midi. Et j'en suis sorti époustouflé, ébahi, étonné, ému. Mais c'est un grand, grand long métrage qui dure 1h59, mis en scène par Sam Mendes, qui n'est pas n'importe qui, vous le savez, c'est lui qui a fait American Beauty, qui a fait Los Rebelles, qui a fait les Chantiers de la Perdition, Skyfall, un James Bond. C'est un des plus doués, un des plus brillants metteurs en scène de sa génération. Qu'est-ce qu'il fait? Il raconte l'histoire de deux soldats britanniques pendant la Première Guerre mondiale à qui l'on confie une mission simple, traverser des lignes ennemies, des obstacles et tout, pour aller porter un message, parce qu'il n'y a pas de téléphone à cette époque, hein, un message à une autre unité britannique pour empêcher que 1600 soldats qui allaient partir pour une attaque n'y aillent pas, car les Allemands leur ont tendu un piège. Bref, c'est simple, c'est la trame d'un western, hein, c'est toujours pareil. Deux hommes partent porter quelque chose ailleurs. Et à travers cette traversée, ils rencontrent tous les pièges, toutes les violences, toutes les surprises. Et ce qui est formidable, c'est que Mendes, avec ses techniciens, a fait en sorte qu'on croit être tout le temps avec eux deux, car c'est comme presque un seul plan, un long plan séquence, fait avec des steadicams, plusieurs bien sûr, presque sans montage, qui fait qu'on est tout le temps avec ces deux comédiens. Alors ça aussi, c'est une des qualités de ce film, c'est que c'est des comédiens à la fois connus et pas connus. Si, bien sûr, il y a le garçon qui jouait dans Game of Thrones, qui s'appelle Dean Charles Chapman, et puis un autre acteur qui s'appelle George MacKay. Ce sont les héros de ce film. Et Mendes dit très bien, comme ils ne sont pas trop connus, en tout cas MacKay ne l'est pas du tout, si jamais il devait mourir, ce n'est pas grave. Si c'est Caprio, on n'y croit pas, on n'a pas envie qu'il meure. Si c'est MacKay, ça ira. En tout cas, il s'agit d'une histoire forte, violente, passionnante, tournée avec un talent invraisemblable et qui vous prend aux tripes. C'est très fort. C'est ce que le cinéma sait faire de mieux. Vous sortez de là, la preuve, bouleversé, ému, épaté. Je peux vous garantir que ces gens-là vont avoir une nuée d'Oscars en février à Hollywood. Quant à vous, allez-y. Le 15 janvier, ça s'appelle 1917.